Bonjour. Alors, voici une position jouée par Pac-Man contre Fichtel, qui s'est jouée à Ostrava en 1946, avec Pac-Man pour les Blancs. Alors, les Blancs jouèrent tour C1. On voit déjà tout de suite la configuration d'attaque avec le retrait du cavalier. Et ils conservèrent leur supériorité due à leur développement. Et ce, sur n'importe quelle réponse adverse. Par exemple, sur tour C8, dame B5, échec, dame prend B5, cavalier prend B5. Ou alors, sur fou C5, dame A4, la dame était ici, dame A4, dame prend A4, cavalier prend A4, avec la menace cavalier prend C5, ou bien B4 qui attaque le fou qui est cloué. Dans la partie, les noirs décidèrent de roquer, sur quoi cavalier D5 leur coûta immédiatement la qualité. En effet, tour prend C1 échoue sur cavalier prend E7, échec, suivi bien sûr de tour prend C1. Dans la partie, ils jouèrent il me manque un cavalier, moi. Excusez-moi. Alors, dans la partie, ils jouèrent cavalier prend D5, tour prend C6, cavalier prend E3, F prend E3, dame H5, il essaye là de profiter de la faiblesse de la structure des pions, dame D3, fou C5, roi G2, dame E5, et B3, H6, tour C1, et là, les blancs, et après cette position qui s'est stabilisée, les blancs gagnèrent simplement grâce à la qualité de plus qu'ils avaient obtenue. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un exemple du célèbre Morphy. Je vous remercie.